Salut tout YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest. Aujourd'hui nous allons faire la playlist American Muscle Mustang. Voilà, comme on est dans le mois des American Muscle, de Muscle Car, avec le main stage truc américain, parce qu'on doit utiliser des voitures américaines pour avoir des bonus et tout, des récompenses et tout. Bon, on va en profiter pour ça. Je sais pas si ça comptera. Ou je sais pas si c'est les motos compteront. C'est un peu en mode américain aussi. A voir, on verra. Mais du coup, je pense que le prochain truc qu'on croit, ça sera celui de la moto. Que ça sera un peu plus américain aussi. Mais là, on va faire donc le American Muscle. Montrez votre côté sauvage et profiter de courses de street démentielles au volant de Mustang emblématiques, à la fois vintage et moderne. Bienvenue dans le monde des muscle cars American. Ok, donc c'est parti. Voilà, nous sommes arrivés, nous sommes ici sur la carte. Je crois que j'aime bien vous montrer aussi, j'aime bien lire les petits textes, les playlists comme j'ai fait juste là. Et je vous laisse les cinématiques, mais si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer. Voilà, voilà, donc nous sommes ici sur la carte. J'aime bien montrer aussi, pas si ça sert, mais c'est l'habitude. J'aime bien. Ok, voilà, si jamais le moteur Machin Nation, tout ce que vous voulez, le festival est ici. Et nous on est là, dommage on peut pas plus dézoomer. Je trouve le dézoom est assez léger. Il est très ridicule. Pour moi on pouvait plus dézoomer avant. Mais vraiment pas beaucoup. Je trouve que c'est un peu chiant, du coup on sait même pas comment s'appelle la ville ici. On est au south, bien, on est au sud, trop bien. Mais c'est tout, ça je trouve ça très dommage. J'espère que ça sera un peu amélioré prochainement. Donc va t'en blablater et voyons cette petite cinématique. Ok, c'est stylé, ça donne envie, c'est beau. J'espère que le son est assez fort pour vous, parce que là j'ai un peu baissé le son qui joue et tout, parce que là ça fait 4-5 heures que je joue, 3-4 heures que je joue au jeu, et plus 4-5 heures, et ça me prend un peu la tête. Au bout d'un moment ça me casse les oreilles, moi, ça me... j'en peux plus. Comme là je commence un peu en pouvoir du jeu, ça me prend trop la tête. Le son il est fort, au bout de me dire je suis baissé et tout, mais quand même. Mais du coup voilà, j'ai un peu baissé, j'espère que ça va. Voilà, marche rapide vers le compte. Ténère débloqué. Ok, quand ça veut ça s'enlève, parfait. Waouh, la belle vidéo. On peut genre revoir la vidéo, genre tu viens là et genre tu vois la vidéo. Imagine genre je m'enlève de là et je reviens dessus. Oui, rejouer, d'accord, c'est cool ça. Nous sommes arrivés à Arifi, nous sommes arrivés. Nous sommes ici sur la carte. Voilà, on était ici tout à l'heure. On est remonté par ici. Pour cette playlist, Hawaï devient virtuellement le continent américain. Premier arrêt, Jackson, Wyoming. Rencontre Jim et sa Mustang Fastback. Laisse-toi porter par la musique. Vois ce qui se passe. Voilà. C'est parti. Le fort accord, c'est pas grave, ok. Ok, donc. Lever du soleil. Waiawa, waiawa. Oh. Non, ça fait bizarre de la voir nature. C'est stylé quand même, c'est stylé. Mais ça fait très bizarre d'avoir nature, on a tellement l'habitude pour la voir un peu custom, plus nerveuse, plus énervée avec des gros trucs. Comme ça fait bizarre.
On dirait on commence le coin. Allez. On va faire ça. Salut. Salut Jim, comment ça Comment ça se va? passe? Oh, ça va, hein? On est arrivé. C'est Jim. Je suppose qu'on t'a dit que je serais pas loin. Tu l'as déjà dit que t'étais Jim. Après tout, c'est ma voiture que tu pilotes. Bon, allez, on y va, cash, rock'n'roll! Ouais, you walk, comme dirait Domingo. Allez hop. Je suis là parce que mes gars du Motorfest avaient besoin du meilleur line-up possible pour cette tournée. Et il se trouve que j'ai justement les meilleurs modèles dans mon garage. Tu peux me faire confiance. D'accord. Voilà le topo. Je fournis les caisses, tu pilotes. bon, c'est très bien, hein. Nous, on va pas se plaindre. C'est gratuit. On a peut-être un peu trop de fraude là par contre. Donc quoi, la Tour première terminée, personne? allez, on enchaîne. Sympa, la première personne. Toutes les voitures qu'on prête dans cette playlist sortent de ma collection personnelle. Tu l'as déjà dit, mec. Y a pas de problème. C'était mon idée, alors Non, te par stresse pas. contre. Pourquoi je crois qu'on a, on a, y a il aime, il se répète un peu trop. Il aime bien Les se collines répéter, sont faites hein. pour être malmenées. Aussi rapide et intense que soit ton style de conduite, elles encaisseront. Voilà, rester en troisième Mais personne, là on m'a ça va dit que pas. tu t'y connaissais pas mal. Ouais, mais on est devant, donc ça Donc va. t'inquiète pas, fonce. Ouais. De toute façon, on s'inquiétait pas, donc t'inquiète. J'avoue que la difficulté, on aura peut-être pu la monter d'un cran. Et peu importe si t'es fan de muscle car ou si t'es plutôt là pour la découverte, franchement, ça change rien. Si t'aimes les bagnoles, tu vas t'éclater. Oula, attention. Voilà, y a des choses sur le chemin là. Oh, ça rebondit. Écoute-moi ce V8. C'est comme un bon gros riff de guitare bien saturé. J'adore. D'accord. T'as Il encore parle un beaucoup quand tour? même, hein. T'as le tracé en tête? Alors envoie! Cet Attention à endroit me fait là. penser un peu à Jackson au Wyoming. J'y ai joué quelques fois. La même ambiance chaleureuse de petite ville, les chaînes de montagnes. Je sais bien qu'on est à Hawaï, mais ça me rappelle des trucs. Bon, je dois dire que je préfère quand même le climat d'ici. Ah, il doit faire ouais. Ouais, j'ai envie de dire moins froid, mais peut-être moins chaud aussi, hein. Ça doit être plus C'est bien. on va Allez, dire bombarde! tropical, un peu moins sec peut-être, je sais pas. C'est quand il fait quand même chaud Super, en mercenaire. Amérique. On dirait que le Donc bon. Motorfest m'a pas menti à ton sujet. Ok. Et voilà, première épreuve emportée. Voilà, on a gagné, c'est bien. Et on skip tout ça. Allez, hop. Bientôt le million, bientôt le million. C'est bien, l'argent, ça monte assez bien. Là-dessus, c'est pas un problème, on est bien. Ça monte bien vite. Ça n'a pas changé, c'est cool. Ah Tu peux ouais. te reposer sur tes lauriers. On Bon. continue, pilote. On Ok, peut bah pas allons-y. parler de muscle car américaine sans parler de drag racing. Les deux sont Ok, intimement liés. donc prochaine épreuve du drag race. Voilà, donc nous sommes ici sur la carte. Juste avant, nous y étions là. On a bougé ici, on est un peu redescendu du centre pour l'épreuve Vegas Trip. Et donc, cette épreuve, ça dit quoi? Le drag racing, une discipline profondément liée au muscle car, sur une piste similaire au célèbre circuit automobile de Las Vegas, The Strip, libère tout le potentiel de la Mustang GT 2011 Dragster. Comme dit la chanson, Walking is your business today. Bam! Et en plus, je parle trop bien anglais et tout. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Bam! Donc, ce sont des preuves de drag race qu'on fait depuis le début du jeu. Car avant, on en a fait une dans le Summit. Dans la playlist Japan, Made in Japan. Ok. La présentation avec la drague. Ok. Stylé, mais ils ont juste repris la même thématique qu'avant, ils ont avancé avec. Avec le petit filtre coucher de soleil. C'est stylé, hein. Mais bon, après, c'est normal, hein, ils vont pas refaire un. Ah, ils ont mis les deux lignes. Comme dans une des épreuves de Japan aussi. Non, C'est au l'heure de la Japan? course de Dragster. Du Summit, tu Peur vois. et fonce. Oh, j'ai bien aimé de couper le truc en deux. La Allez, allons-y. classe. Voilà, et comme ça devrait largement suffire.
suffire. Ouais, ça c'était de la vitesse. Et ouais mon pote, ça c'était de la vitesse. Allez, passez le prochain. Ah non? Ah si. Maintiens la jauge dans le vert. Un bon burn, c'est crucial ici. Oui, oui, t'inquiète. Ah, pas bien géré là, my bad. Ça va être un mauvais, j'ai envie d'attendre le 5 pour remettre le nitro. Ouais, mais la perte de temps de mettre ça aussi tard. C'est pas malin. Non, c'était pas vénère, non, c'était nul. C'était bien vénère qu'il a dit, mais c'était nul. Brûle-moi cette gomme. Ouais, brûle-moi cette gomme, mon pote. Allez, soin, un mince raté. Parce qu'en fait, par rapport à la skyline, elle est tellement lente, bah, elle est lourde quoi, donc elle est pas rapide. Donc, c'est pas l'excuse, mais laissez-moi m'excuser, ok. S'il vous plaît. J'ai pas fait, bah, heureusement que le premier run, j'ai réussi, hein. Quand même. Sinon, aïe aïe aïe. Alors, on peut passer tout ça, nickel. On gagne des pièces et tout, ça c'est cool. Voilà, nous sommes arrivés à la prochaine épreuve. On est là, on était ici, on s'est déplacé vers la gauche pour arriver ici. Pour donc l'épreuve, on va y arriver. Denver RWD. Imagine une route dégagée du Colorado. Tu conduis la Mustang GT Flashback, Fastback, excusez-moi, édition spéciale de Jim. Et une ralentir n'est jamais au programme. Atteins le dernier checkpoint, drive like a free bird. Conduit comme un oiseau libre. Ouh, trop bien. Je sais pas si Freebird peut avoir une autre traduction, mais laissez-moi. Sans cola, ça va être une bonne course, bien américaine, bien à la hypercar comme on avait sorti ces deux, bien ligne droite. Moi, je m'attends à de la bonne ligne droite là, à du tout droit. Regarde-moi. Oh, derrière le personnalisé un peu bleu ciel, pas mal. Ouais, c'est ok, c'est ça va, ça va. Ouais, limite speed 50 km/h NTR. Allez, vas-y, c'est parti. On refait le truc. Difficulté 3, j'ai baissé la difficulté. Car je vais peut-être plus le faire, mais je commence un peu à saturer. Aujourd'hui, je veux en avoir un peu plein la tête, plein les oreilles. Donc, forcément, je me concentre un peu moins. Ok, on y retourne. Du coup, ça va m'énerver. Et je vais pas y bien arriver, donc on baisse ça, on sait bien. Un peu comme ce jeu des années 80. Là, ça va se faire bien mieux. Comme ça, on commence à être dans un zigzag, hein, à un moment. Vas-y, il faut trop bien prendre les choses. Là, j'ai besoin d'une petite pause. Tu kiffes ce son ? Il est parfait, non ? C'est ma compile qu'on écoute. Elle s'accorde bien avec le son des moteurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, trop. Je pouvais quand même pas te faire piloter une muscle car sans ton gros riff, hein. Voilà. Oh, le ralenti avec ce petit main là. Peut-être faire une pause. Après, je voulais faire une pause après la playlist, mais peut-être la faire après. Alors, hein. Tu te sens comment avec cette Mustang GT? Avec les muscle cars, tout est dans le rapport poids-puissance. Un rapport optimal pour des performances au top. C'est le juste équilibre. Voilà. On va rester sur la route, essayer de bien prendre ça. On s'est pris le mur, c'est génial. À partir de là, va y avoir une méchante série de virages. Reste sur la route.
D'accord. Alors c'est ici, allez, on fait ça bien. Je te l'avais dit, et c'est pas fini. Mais hé, les virages font partie du plaisir. Ouais, ouais. T'inquiète. Voilà, on va faire beaucoup mieux, hein. Et voilà. Accroche-toi, encore quelques-uns et tu seras plus loin de l'arrivée. Allez, finis en beauté. Et on a réussi, ouais. Nickel. Ouais, parfait, ouais, bah normal, c'était facile aussi. Mais voilà. Pour la quatrième épreuve, peut-être, je sais pas, je suis le lendemain, nous nous retrouvons ici. Voilà, pour l'épreuve Orlando SmackDown. Ok, donc c'est ça la toute petite surprise. Comme nous disait Kara, c'est le Monster Truck. Showtime! On fait les choses en grand à l'américaine. Tu es maintenant en Floride. Jim t'a préparé une Mustang GT Monster Truck et tout ce que tu as à faire, c'est de donner un spectacle monstre. Monster Truck, monstre, vous avez compris. La scène est à toi. Tu as ton instrument. Mets le feu à cette plage. Ok, et ben c'est parti. Nous y sommes. On va pouvoir mettre le feu à tout ça du coup en course. Je sais pas s'il y aura comme du coup des épreuves de défi de Monster Truck. Ou si ce sera que les courses. Bon là on a une course, mais on verra plus tard. Difficulté, niveau 3, c'est bien. J'aurais pas mis niveau 4, mais niveau 3, c'est très bien. Donc voilà. Plutôt pas mal. Des petites paillettes sur le bleu et tout, surtout. Je crois que le truc qui me gêne un peu avec les petites cinématiques là de Muscle Car, de cette playlist là. Après c'est normal, hein. Bah, c'est normal, c'est pas. Ça va. J'espère que ça s'est bien mis à jour. C'est que en fait genre la première cinématique bah elle était stylée et tout et les autres en fait c'est juste repris. Bah genre le montage c'est toujours le même, juste qu'ils ont changé le truc derrière. Bon c'est toujours stylé hein. C'est très bien et tout, avant il n'y avait pas ça et tout, c'est bien mais c'est le même. Du coup c'est moins impressionnant, il n'y a pas de différence. Alors que le truc de Japan, de Made in Japan, à chaque fois ça changeait un peu. Bon mais des fois c'était pas fou, des fois il y en avait des plus courts que d'autres ou quoi. Mais au moins c'était pas les mêmes. Là, bon, c'est un peu tout pareil, du coup, c'est peut-être dommage. Est-ce que je suis chiant? Je sais pas. Ouais, attention. Ok. Là, c'est bien, mon sorteur qui sont comme beaucoup. Ils ont l'air. Après, on a pas fait de jump, fais voir là. Ouais, ça va, beaucoup moins léger que dans The Crew 2. C'est pas mal que c'était très maniable. Après, excusez-moi de souffler moi. Les mouches qui tournent autour là, on en peut plus! Dégage! Oh, on en peut plus! Attends. Oui, cette fois ça va marcher, mais tu vas me laisser être devant. Attends, bam! Non mais oh! Ouais, et du coup, c'était surtout aussi à cause des pièces aussi. Mais bon, du coup, quand t'avais une bosse ou quoi, c'était pas maniable, et pour les courses, c'était pas fou. Oula, perte de temps là. Après, on verra. Voilà, là c'est la réadaptabilité. On adapte quoi.
Ah oui, ah bah ça se retourne quand même quoi. Oula, c'est stylé mais attends. Si on peut éviter de recommencer la course, je dirais pas non. Surtout que j'ai pas très vite. Je suis devant en plus parce que c'est que niveau 3 c'est pas très haut. Mais sinon je fais pas un run de fou. Et je fais un pas de flip. Ah ouais. Ok. Les monster trucks ouais, sont apparus à la fin des années 70. C'était surtout okay. Pour la frime. Mais c'est dans les années 80 qu'ils ont explosé. Et sérieux, cette décennie, c'était quelque chose. Bah, tu m'étonnes. En vrai, pour moi, les années 80, 90, même 2000, 2010. T'as réussi à passer le premier tour. Aux États-Unis, il y avait des sacrées choses. Hein. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a eu grand chose. Il n'y a pas des trucs qui font autant troubler le monde, mais avant, putain, il y avait des choses. Ici, ça se ressentait. Après, j'ai aucune connaissance et j'ai dit que tu ressenti comme ça, quoi. Je l'ai senti mal. On est pas mal branché course, on est parti là-dessus. Ouais, tu m'étonnes. C'est déjà bien, au moins ça nous fait tester les Monster Truck. Mais après, plus tard, il y aura comme des. Après, du coup, il n'y a plus le. Il y a quoi les classes de véhicules, mais il n'y a plus la catégorisation des véhicules, des classes de véhicules maintenant par comparé à The Crew 2. T'as plus RS, Aerobatics, Jet Sprint. Je sais pas s'il y a encore des Jet Sprint dans le jeu. J'ai l'impression qu'il y a... Je crois qu'il y a même plus en vrai peut-être. Après Powerboat, Chiam et Jet Sprint, je sais pas. C'est... Oh là là. Mais ouais, il y a plus cette catégorie de tout ce qui est freestyle, des figures et tout. Catégorie où est-ce que vraiment tu vas à fond les bananes, genre vraiment c'est la haute vitesse quoi, les powerboat, les races, les rallyes, les touring cars, tout ce qui est F1 et tout, et tout ce qui est street attitude un peu avec les street street races. J'ai oublié la suite. D'accord, il veut les street race drift et drag quoi. Du coup là maintenant c'est juste les trucs de véhicules. Après on a des playlists autour de certaines choses qui enveloppent un peu tout ça. Mais c'est pas catégorisé comme c'était. Et pourquoi pas. Et ouais bam, en seulement 3 minutes 45 pour pote. Je sais, je suis le showman. Je suis américain mon pote. Voilà, je suis arrivé. Bon, je vous montrerai où est-ce qu'on est après. Donc, Tallahassee Melee. L'expérience Muscle Car t'emmène maintenant à mi-chemin de la Floride et de la Louisiane, encore c'est dur à dire, pour une course dans les marécages. Pas besoin d'un Overcraft pour cette excursion. Ta Muscle Car fera l'affaire. Jim a le véhicule qu'il te faut. Rejoins la mêlée, joue des coudes, arrache la victoire. Voilà, donc on va jouer avec du Rally Raid. Encore une fois, la petite Mustang 2011, comme depuis des nous sommes ici à Karuku. Voilà. On est où par rapport au... On est bien en dessous de la carte. Hein. Ah oui, alors en fait, la carte de base elle est comme ça et nous on est tout en haut à droite. Si jamais. Je sais pas si ça peut servir, mais voilà. Voilà, c'est parti! Donne-nous tout ça. Prêter, bien évidemment, on n'a pas le choix. Allez, bam, c'est parti, regarde-moi ça. On entend le cheval de l'intérieur. La même chose que pour Monster Truck, c'est dommage. Après, c'est normal, hein. C'est normal, ils vont pas s'embêter à refaire les trucs à chaque fois, ça suffit largement et c'est bien mieux que ce qu'il y avait avant ou quoi, mais... Quand même dommage qu'il n'y ait pas une petite différence au moins de montage ou de... Regarde-moi ça. Mais bon, je suis juste un peu méchant. Comme à la fin de l'épreuve, je me plaindrais que... Que quand on récupère le véhicule, ça sera la même cinématique qu'en Japan Sinks ou en... Ou en Electro Odyssey, là. Un électrique le disait. C'est toujours le même, c'est un peu dommage, c'est toujours le même décor, peu importe ta playlist, c'est dommage. Au moins changer le décor sur les écoutes, mais c'est pas grave. Peut-être plus tard, un jour, ils font l'effort. Je pense pas. Ok, du coup, on est bien dans les marécages là. Pas mal. On a fini de la préparer 10 minutes avant que t'arrives. Elle est prête à engloutir chaque kilomètre de marécage. Si tu te mets gentiment. Tout doux, beauté, tout doux. Est-ce que derrière le pneu aussi se balade? Non, il se balade pas.
dommage. Je veux dire, c'est logique qu'il se balade pas. De toute façon, on voit très bien qu'il est coincé avec le pot d'échappement, donc j'avais dit. Donc je dis des bêtises. Attends, mais le pot d'échappement, en plus, il échappe à rien. Ils sont au-dessus. Ouais, c'est bon, écoute. Les pots de secours, peut-être. Aucune idée. Deuxième tour. Garde le rythme, donne tout okay, ce que t'as. Ok, c'est bon, temps sur 3. Bon, tu te bagarres sur 3 tours cette fois. Pas d'hésitation, ouais, vas-y à plein régime. Dans la boue, oh, dans t'inquiète, dans les hein. Rien ne pourra t'arrêter. On va les raids quoi. Ouais, j'ai capté, j'ai capté. C'est pareil pour ces tremplins, à fond. Ouais, à fond. Ouais, oh, c'est ça. Ça se mettre un jour. Attendez, j'ai une main là. Moi. Un plan d'eau, cherche pas à roule. Ok, mais ça. Pourquoi m'enregistrer avec ça, comme ça moi je suis plus sûr. Voilà. On est bien. Bah quoi ça c'est assez tranquille. Donc là peut-être quand difficulté 4 t'es pas si mal. Mais c'est pas grave. Troisième et dernier tour de cette petite croisière dans les marais. On va y arriver. Pas oui. Peur de salir, au moins il parle hein. Allez, il parle. Hein. Accroche-toi à ta selle, cowboy. Yeah! D'accord. Ce morceau, c'est une tuerie. Écoute-moi ça. Allez, pousse le son. On n'a pas le même. Je crois qu'on n'a même pas le même. Bah, peut-être que si, mais. Bah, si, on a forcément celui-là. On peut pas changer de. Une ligne droite. De musique. Toi de la nitro. Bah, j'en ai plus. Non, lui. Le nitro prend quand même bien plus de temps qu'avant à se remettre. C'est pas. C'est juste voir. Juste comme ça. Encore je le sens, ça prend du. Ouais, le dernier jump. Et voilà, ça c'est bon. Mais le show est loin d'être terminé. Bon voilà YouTube, on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur la playlist American Muscle Mustang. On va couper la vidéo en deux car sinon elle serait trop longue. Mais si jamais vous voulez voir tout de suite la suite, elle sera dans la description, même si elle n'est pas encore forcément sortie sur YouTube. Elle sortira dans quelques minutes. Dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez tout de suite avoir la suite, le lien est en description. Voilà. Et la vidéo durera également à peu près une trentaine de minutes. Aussi, voilà, j'espère donc YouTube que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like ou l'abonnement, ça m'aidera beaucoup, ça fera très plaisir. J'étais en live sur Twitch quand j'ai fait la vidéo, donc si jamais vous voulez me suivre, papote avec moi, jouer ensemble ou quoi que ce soit, eh bien n'hésitez pas, le lien est en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, soit la vidéo en elle-même ou ce que nous avons fait aujourd'hui. Pour l'instant, un petit début de Muscle Car, qui est une police très sympa, avec des véhicules très stylés et tout. Après, c'est full Shelby et tout, du coup, début en mode assez stylé, mais après. Attends, mais ça paraît moins. T'as toujours la même voiture. Bah, c'est pas la même voiture, je sais. Après, moi, je suis pas. Bon, voilà. Mais j'aurais bien voulu qu'il y ait un peu plus de marques différentes et tout. J'aurais peut-être de la Camaro ou de la Dodge dedans ou quoi. Mais ce n'est pas grave. C'est quand même une très bonne playlist. Voilà. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Plus.